Vous recherchez un moteur pour bateau gonflable, mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs moteurs pour bateau gonflable. Donc, des moteurs qui ne seront pas compatibles uniquement avec des bateaux gonflables, mais qui en tout cas seront adaptés. On va voir donc les meilleurs produits, les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça pourra vous faire gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr, si vous souhaitez commander un des modèles présentés ou aller voir plus de détails pour finaliser votre choix, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour commander ou voir ça plus en profondeur. On va donc commencer avec le premier qui sera le Rhino RVX 54, donc moteur pour bateau électrique. Donc ça peut être pour un bateau de pêche, pour un bateau gonflable ou autre, en tout cas jusqu'à des bateaux de 1800 kg, ce qui est quand même plutôt intéressant. Des bonnes évaluations à 4,5 étoiles sur 5, sur plus de 239 évaluations au total. Donc évidemment, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite avec votre bateau gonflable, de vous déplacer bien plus aisément. On aura donc 5 vitesses de marche arrière et 2 vitesses de marche avant. C'est un moteur qui pourrait être plié vers le haut avec la simple pression d'un bouton, avec une profondeur d'insertion de l'hélice dans l'eau, ainsi qu'une pression de pilotage qui seront réglables. Donc avec une tête pivotante à 360 degrés, 3 ailes d'hélice, des engrenages de profondeur réglables, avec des puissances du coup qui seront vraiment intéressantes pour vraiment vous déplacer rapidement hein, avec le poids du bateau qui pourra aller jusqu'à 1750 ou 1800, donc c'est quand même assez intéressant. Vous pourrez voir plein de détails sur le fonctionnement de la batterie, etc. Il faut savoir que on aura une puissance jusqu'à 365 watts pour l'arrière, ce qui est plutôt pas mal, et 12 volts au niveau de la puissance, donc comme une batterie de voiture au final, avec des piles électrolytes gélifiées connectées pour pouvoir commencer le trip, hein, commencer à partir. Donc l'eau salée n'est pas compatible avec le fonctionnement de ce moteur, mais voilà, avec de l'eau douce, donc il n'y aura aucun problème à noter pour votre utilisation si c'était pour aller sur un lac ou si c'était plutôt pour aller sur de l'eau salée tout simplement. Donc un choix voilà à considérer, pour voir plus de détails dessus, ce sera le premier lien dans la description sous cette vidéo. Un deuxième modèle que je vous présente, c'est le Wild Black Barracuda, 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 175 évaluations. Donc c'est plutôt intéressant également. Il sera facile à utiliser avec un moteur hors bord électrique, avec des structures gonflables ou petits bateaux qui pourront disposer de ce moteur pour avoir un moteur puissant pour des sorties en mer paisible ou pour aller pêcher, etc. Le permis de conduire n'est pas nécessaire avec ce moteur. Un moteur donc de 12 volts qui va délivrer du coup jusqu'à 50 LBS, 225 newtons. Donc bon, ce sera à convertir en fonction des kilos du coup, mais bon, ça ce sera une vitesse qui sera intéressante avec le côté réglable, donc 5 vitesses en avant et 2 vitesses en arrière qui seront disponibles pour faciliter la mise à niveau du bateau aussi. On aura un moteur qui est équipé d'une pince de fixation inclinable à 90 degrés. Donc la batterie sera compatible à 12 volts, évidemment qui n'est pas fournie directement avec, hein, sinon le prix serait quand même bien plus élevé. Donc vous pourrez les connecter aux pinces à fourche de 8 mm pour l'utiliser comme alimentation électrique. Donc ce sera aussi écologique, en tout cas bien plus qu'un moteur à essence. Donc ce sera aussi un choix plutôt intéressant et un prix voilà, qui est très correct. Et on va terminer avec un dernier modèle qui sera le INTEX moteur électrique pour bateau. 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 151 évaluations. Un prix encore une fois assez correct. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces différents moteurs de bateau électrique. Donc ce sera pour l'eau douce. Vous pourrez aussi aller naviguer en eau salée avec ce modèle. Donc ce sera vraiment multifonction, hein, eau douce ou eau salée, il n'y aura pas de problème. On aura donc toutes 5 positions avant et 3 arrière, avec aussi une indication du niveau de charge de la batterie, une puissance de 420 watts, donc c'est plutôt intéressant. Vous pourrez voir voilà, plus de détails hein, au niveau de l'aspect du moteur en passant par le troisième lien en description, mais en tout cas ça pourra tout à fait convenir avec des bateaux gonflables. D'ailleurs, en particulier si vous avez un bateau gonflable INTEX, ça pourra bien aller avec. Donc c'est aussi un choix à considérer
pour votre choix. Et on remarque voilà, pas mal de commentaires clients aussi très positifs. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs moteurs électriques pour bateaux gonflables qu'on peut retrouver sur le marché. Donc si un de ces produits vous intéresse, que vous souhaitez en commander ou voir plus de détails, voir les prix exactement, constater vous-même les évolutions clients, etc., eh bien cliquez sur les liens en description. Vous pourrez aller voir tout ça plus en profondeur. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.